Toujours aucune idée pour l'intro. Intro. Et donc salut à tous, à toutes les amis, c'est Sirius. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de The Final Station. Dans l'épisode précédent, nous avions été à la métropole, ils nous avaient ouvert les portes. D'ailleurs, c'était un épisode bien plus court, théoriquement, que les épisodes d'avant. Mais bref, on a été à la métropole, le mec s'est fait virer pour nous ouvrir les portes. Du coup, on a pu continuer notre route, on n'a plus personne maintenant. Tout a été livré à la métropole comme on devait le faire. Et ben, il n'y a plus qu'à attendre que... on arrive au prochain endroit. Où est-ce qu'on doit aller? Je sais pas du tout où c'est. C'est le gardien. Ah, c'est ça qui parlait quand il disait lancer le gardien. Okidoki. C'est pas vraiment connexion perdue. Okay. C'est pas vraiment ce que j'appelle lancer, moi. Ah si, mais dans le mauvais sens du terme. Je pensais qu'il allait se fight sur la terre, moi. Pas en dehors. Hop, y'a plus rien. Voilà, y'a plus qu'à attendre. On est arrivé. Allez, c'est parti. De nuit, je ne sais pas où, parce que la connexion a été perdue. Ah, j'ai pas été récupérer le petit pistolet, bon, c'est pas grave. Le coup par coup fonctionne très bien. Ok. Ah, il faut descendre. Très bien. Oh. Oh merde. Ah oui. C'est moi ça. Ah, ça pue un peu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais... Fuck. Ouais, je sais pas, prends tes balles au bout d'un moment, merde. On n'est pas sur CS, hein. Merci. Ok, par contre, niveau des balles, c'est la merde, hein. Toi aussi, prends tes balles. J'avais une chaise, là, je l'avais pas vue. J'avais plusieurs chaises, en fait. Poudre à canon. Aïe aïe aïe, j'ai pris cher. Bon, y'a plus qu'à espérer que le coup passe. C'est bon. Voilà, c'est bon, j'ai réglé le souci. Merde, du coup, je n'ai pas lu. Oula, le son. Ouais, je baisse un peu le son de mon côté. Vous ne le voyez pas. Voilà, c'est bon. Alors. Patron, nous avons rassemblé une équipe décente. Nous avons un expert en démolition. Lisa travaillait avant à l'usine de train et a installé des moteurs AX2. Je m'occuperai de l'électricité une fois que nous aurons pris possession du train et livré le moteur à l'abri. D'accord. Ça parle de moi, là, à mon avis. Hein. Ça dit des trucs pas forcément cool sur moi. Ok, ici je suis déjà passé, effectivement. J'avais récupéré une chaise. Une chaise qui est je ne sais où maintenant, d'ailleurs. Je crois que je l'ai balancée. Je sais pas, j'ai mis 20 minutes au moins à régler le souci avec le son. En fait, c'est mon casque. Hein. Il en pouvait plus. Il m'a dit non, écoute, moi je m'arrête là. Ouais, c'est très bien, mais je dois aller. Où, du coup, cette chaise me sert à rien. Elle m'emmerde, en fait. Ah, là-haut, j'avais pas vu. Ah, du coup, la chaise m'aurait peut-être servi à quelque chose. J'avais eu un tout petit peu plus de patience, verrouillé. Crève. Mission de fusil à pompe. Ok. Les fenêtres. Tatura. Voilà, une clé. Munition de pistolet. Hop, il n'y a plus qu'à descendre et aller là. 3. Ouh, ce bordel qui m'a foutu, lui. Eh bien, on dirait que c'est mon tour de voyager dans ton train. C'est parti. N'oublie pas ton pompe. 37,95, j'ai pas le temps de lire.
crevez tous. Merci. Trousse de soins. Très bien. Ça m'a pas coûté grand chose d'aller chercher. Hein. Hop, 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 savon. Il y a quoi là-dessous? Ah ouais, ok, le mec est chaud. Mais t'as pas toutes les infos. Eh non, putain, je peux pas passer par là. Ah, par là. Pas cette merde, putain! Je les ai presque attrapés, tu comprends? C'est à la police de s'en occuper, pas à toi. Il ne me croit pas. Tu devrais plutôt essayer de ramener Martha. Ouh, le clash. Youhou, je saute du toit. Alors, 37,95. 37,95. Let's go. Un petit bonbon pour la route. Par contre, t'es enculé, je te nourris pas. Hein. T'es trop flippant comme mec. Ça va être génial de juste voyager sur les voies ferrées. Ouais. Pas de décision à prendre, pas d'itinéraire à choisir. Juste maintenir la bonne vitesse. Et entretenir le train. Je m'ennuie comme un rat mort. Tu es le dernier survivant, j'ai pas. Résistant. Et je vais devoir attendre que tu te transformes, hein. T'en fais pas, tu ne peux pas y échapper. Si, si. Ça arrivera à tout le monde. Non. Ton train va bientôt s'arrêter. Le technique n'est pas mort, hein? Mais j'ai bien reconnu de quoi est composé ce moteur. Ah, tu veux le moteur de mon train, connard? Il est temps de passer à autre chose. Non. Ce n'est pas un virus. C'est un médicament. Juste trop puissant. Oula, le bug! Juste trop puissant pour certaines personnes. Ah là là. Certaines personnes, c'est tout le monde. Fais gaffe à toi. Je garde un œil sur toi, Billy. J'attendrai. Pour... Merde. Où? Tu connais la deuxième solution. Et fuck. Et merde. Connard, c'est sa faute. Je l'aime pas, lui. Je suis sûr que c'est sa faute. Bon, je m'en fous, je continue à pied. Je le laisse là derrière. Du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va vraiment se transformer? Est-ce qu'il y a moyen d'échapper à ça? Vêtements. La fenêtre. Mais monte! Que ce serait la fin. Trousse de soins, cigarette. Putain. Si c'est la fin, autant utiliser les balles. Oh le con. Si c'est la fin, autant tout utiliser. Fuck. Oh merde. C'est la fin. C'est pas la fin que je voulais. Non, vraiment, c'est une question que je me pose, en fait. J'aimerais bien savoir. Pièce. Je suis obligé de descendre par là? Non.
Munitions de pistolet. Rechargeons. Ah, ça tire vite quand même en fait. Ah ouais. Non, rien. Mais j'ai oublié de, une salle, c'est pas grave. C'est pas grave, ça sent la fin du jeu de toute façon, donc au pire. Je pense pas qu'on rate grand chose. Oula. S'en est passé des choses ici. C'est beau. Le fond est très très beau. J'aime bien. Oh, le fric. J'ai de flouze. J'ai de la monnaie. Give me money, bitch. Pardon, je pensais à une musique. De toute façon, je l'aurais mis en fond, c'est obligé. Je me connais, monteur que je suis. Alors. C'est le gardien. Oh. Le gardien, il s'est crashé. Hello. Ah ouais. Ouais, bon, ben. Y a plus de gardien. Beaucoup de routes. Énormément de routes. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Comment t'as fait? Le robot géant va sauver tout le monde. Ouais, bah il est mort. C'est bon, ta gueule. Je vais même pas te parler. De sa faute, il est mort, le robot. Le robot géant, comme il dit. Ok, c'est par là. Ok, en vrai, ça sonnait là. Ça sentait clairement la fin. Je pensais que ça allait, arriver là avec la musique et tout, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Très bien. Il n'y a plus de train, donc... Vêtements, trousse de soins, plein de trucs. Il me reste une balle à côté. Ok, c'est parti. On dira le début. Oh merde. Bon, clairement, je vais pas m'occuper de vous. Et fuck. Faire quoi là, courir? En même temps, j'ai un petit peu tiré dans tous les sens aussi. Allez, on court. On ignore tout. Aïe, il m'a foutu un coup ce con. Vite, 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 vite. T'avais pas autre chose que des putains de munitions, quoi. Fuck. Clé nécessaire. Eh, hey, tu vas die ou non? Putain, j'ai foutu 3 headshots quoi. Ils veulent pas crever, mais c'est quoi cette blague?
Bon, il va falloir courir. Ils veulent pas crever. Vide. Mais lol. Vide. Je vais pas jouer les cons. Hein. On va la faire bien quand même. Cobaye, Peter Elliott, responsable, crime. F501, Larsin. What? Je sais pas. Caractère, obéissant, passif. Cobaye, Amanda Berriot, sans emploi, crime, D204, assaut aggravé, multiple. Caractère, brutal, introverti. Crève. Oula, le jeu. Cobaye, Robert Wert, sans emploi, G212, niveau du crime, multiple homicide, incendie criminel. Caractère passif. Ah! J'espère putain qu'il est passif. Pas ce que j'appelle être passif, perso. X4. John Gario, ingénieur développeur, crime aucun, caractère déterminé, très intelligent. Ça se voit. Quelqu'un qui est rentré. Très bien. Oh, toi tu m'emmerdes. Il fait beaucoup. Essayez de sortir pour se libérer. Mais ça n'a aucune importance maintenant. Parce qu'il n'a pas pu. C'est toi qui n'as pas pu. Ah! De l'air. Ah, de l'air. C'est calme. Un arbre. Ouh là, le gros arbre. Oh oui, putain, il est fat l'arbre. Ah. Ça, c'est bien. Dans une forêt. Avec les piafs qui chantent au matin. Au petit matin. Comme ça. Ça, c'est moins bien. Par contre, quand il y a des mecs qui viennent te faire chier comme ça, c'est casse-couille. Location de la tente, 40$. Bière, x4, 20$. Préservatif, 5. Total, 65$. Oh. Ouais, j'ai oublié la porte. Par contre, la caution de la tente, tu l'auras pas. Hein. Ça, c'est clair. Oh. Un truc noir dans le ciel. Je vois, je pense que c'est un arbre. Un arbre de trop près en fait. Trop près par rapport à la caméra. Oh non, ça c'est pas bon. Le gaz. On aurait pas dû passer là. Oh. Ah. Ça c'est pas bien. Ça c'est loin d'être très bien. Bon. Oui, ça sent la fin. Beaucoup. Verrouillé. Fuck. Bah j'ai plus de balles en fait.
ça qu'on fait où là? Hop là. Ah mais je vais y passer en fait. C'était radical comme technique. Hop, on recharge. Petite balle. Et il voulait pas mourir, putain. J'ai mis 45 millions de balles. Il voulait pas. Voilà. Oh. Non. Allez, ça va aller. T'en fais pas. Tu vas survivre. Ça va aller. J'espère. Ça va aller. Hop, on continue. Petite ville. Est-ce qu'on va juste traverser la petite ville du coup, le chargement? Ok. C'est parti. Nourriture. Oh, salut les gens. Ils ont fouté de moi en fait. Oui, ils ont fouté. Bah j'ai plus rien. Les télévisions ne fonctionnent plus. Bah pourquoi tu la regardes, abruti? Complètement con ce mec. Oh, pas bon. Elle est pas juste à côté de lui. Hein. Bon après-midi. Ah bah merci à toi aussi. Je te quitte pour Alan. Maintenant, si tu as tout le temps que tu as besoin pour ta stupide musique. La musique, c'est pas stupide. Oh. Cher locataire, ceci est une mise en demeure d'expulsion. Votre bail s'est terminé quand vous avez... manquez la date limite de paiement du mois en cours. Vous avez 6 jours pour quitter les lieux. Ah, ça c'est pas bon. Fuck. Je peux pas casser en fait. Oh, je suis le pire des abrutis. Et merde. Où est-ce qu'il y a une boîte quelque part? Bon, on va recharger au dernier redémarrage. Ah non, le niveau seulement, putain. Fuck. On va redémarrer le niveau. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Note 1, 12h02. Note 2, 5h21. Note 3, 6h. 400 000 copies. Album On the Top of the World. Enregistré à Born Studio. Parole Alan Bourne, compositeur Alan Bourne. Ok, y'a rien. Salut, vieux. Bonne lecture. J'espère que ton livre te plaît. Oh, une bien belle maison. Oh, fuck. Non, pas, pas chez les gens quand même. Je pensais pas que... Cela vous prendrait autant de temps. Je ne vais pas vous offrir un verre cette fois-ci. Vous n'avez pas le temps. Ok. Ok. Oh. Il y a du monde ici. Ouais, c'est bien le début ça. Une fois la construction du portail terminée, nous serons en mesure d'envoyer ici tous les ravitaillements. D'abord, nous devons retirer la barrière. Une fois l'alimentation en énergie coupée, nous pourrons unir les zones voisine. Ok. Cette journée est historique. Ok, cette journée est historique. Bah écoute, si tu veux. Mon téléphone vient de vibrer. Il m'a absolument pas de s'allumer. Ah. Je vois. Tu es presque là. Tu m'emmerdes, toi. Je vais pas te ruiner la surprise. Mouais. Oh merde. Je crois que c'est chez moi. Non, c'est fini?
qu'est-ce que vous foutez chez moi? Comment tu fais? Eh, ma maison, s'il te plaît. Oh merde. Bon bah. Rip. Je vais m'occuper d'elle. Enfoiré. Fin du game. Développé par Oleg Zop. Par eux. Bon. Bon, bon, bon. Voilà qui est la fin du jeu. Alors, pour finir cette série, les mots de la fin, le résumé habituel du game. Du game de fin de série. Alors, le jeu était excellent. Honnêtement, je l'adorais. Il était vraiment bien. Un petit peu long à certains moments, mais vraiment, vraiment bien en général. Je sais qu'il y a encore un DLC, donc si c'est aussi vous voulez, on le fera. Perso, j'ai vraiment aimé faire ce jeu. Il m'a pris pas mal de temps parce que bah, j'ai eu des soucis de manque de temps entre deux, hein, d'où l'espace pour certains épisodes. Mais là, depuis que j'ai repris, j'ai presque fait un épisode à la semaine. Donc, c'est parfait. Et du coup, vraiment, le jeu était vraiment très très bien. Un peu long sur certains moments. Je m'attendais pas non plus à décéder comme ça à la fin. Je sais pas s'il y a plusieurs fins. Dites-moi dans les commentaires si certains l'ont déjà fait. Je crois que certains l'ont déjà fait. Enfin, du moins, j'ai eu des commentaires comme quoi certains l'avaient déjà fait. Non, le jeu était vraiment vraiment bien. La fin, je m'y attendais pas là pour le coup. Je m'attendais que ça allait s'arrêter à la métropole ou un truc dans le genre. Donc voilà. Si le jeu vous a plu, si la série vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche. Sur ce, moi je vous dis salut à tous. Portez-vous bien. Ciao. We are lost.